Eh bien, salut, je rentre ici pour la suite de Sims 4 avec la famille Live Gaming. Et donc, on est en train d'organiser une petite fête, une petite soirée, on peut dire. Il est 19h45 bientôt. Et puis, voilà. Donc, pour l'instant, on va pas encore nous trouver un petit boulot, même si demain c'est lundi et tout, on pourrait déjà nous chercher un boulot. Mais pour l'instant, on va rester calme. On va rester en mode. Calme, voilà. Donc, on prend les mains maintenant. Amical, allez, on va faire remercier d'être là. Voilà, on est sympa. Et qu'est-ce qu'on a à faire encore? On doit encore boire un coup, faire en sorte que les Sims dansent en même temps. Ça va être chaud, ça va faire en sorte que les Sims s'embrassent. Putain, mais là, les gars, faut pas exagérer non plus. Hein. Ok, ils sont en train de parler de loin. C'est bien aussi. Prendre une pause sexy. Allez, on va prendre une pause sexy. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, j'ai pas envie de non plus trop y aller à fond là avec elle. Je crois qu'on a déjà demandé s'il y a des célibataires, mais je m'en rappelle plus. Allez, on va avouer son attirance. Voilà, allez, on l'avoue tout là. Ah, mais ils sont en train de parler en groupe là. Ça va être con si je le fais. Ah, mais il le fait en plus en croupe, putain. Je sais pas si les autres ils vont aimer. Ah non, c'est bon. En fait, ils discutent tout simplement. Ouais, bah c'est bien aussi. Bon, par contre, il y a qui encore sinon. Cela fait. Ah, mais les autres ils sont déjà partis, j'ai l'impression. Ok, bon. Si les autres ils sont déjà partis. Je dirais, bon, on n'a pas de boulot demain, donc on est plutôt tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, bon, il est heureux, c'est très bien, il est heureux. Jouer aux jeux vidéo, jouer un instrument. Ah bah tiens, jouer un petit instrument. Alors attendez, on va faire pause vite fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va lui acheter un petit instrument pour s'il est déjà créatif et tout, ça va lui plaire. Et en plus, il peut jouer un petit morceau devant les autres. Par contre, il faut juste trouver parce que bon, je comprends pas. Enfin, si, mais je dois encore apprendre un peu leur technique, activité et compétences. Ça m'a l'air d'être une bonne chose. Voilà, on clique sur la guitare. Vieux. Oh putain, il y a plein de nouveaux trucs. Piano. D'accord. Guitare. Oui, bah putain, il y a plein de trucs à faire. Putain. Oh là, j'ai hâte de quand même découvrir tous les Sims, les Sims 4 maintenant, mais voilà, ça va durer encore un moment jusqu'à on découvre complètement le truc. Mais déjà, on apprend peu à peu, c'est bien. Microphone royal, on n'a pas besoin de micro. Je sais pas, mais une guitare simple comme ça me paraît bien. Bon, on aurait pu faire aussi. Ah, bah, Bar Tiki enflammé, ça c'est le truc spécial de cette boîte Limited Edition, édition limitée. Mais par contre, on va commencer par la guitare. Attendez, est-ce qu'il y a encore d'autres. Ouais, mais. Allez, voilà, on va la prendre comme ça. Et on va le mettre dans le coin pour l'instant, dans le coin comme ça, voilà. Putain, ça coûte 600, c'est cher, c'est cher. Mais c'est pas grave, on va quand même mettre en inventaire, s'entraîner. Ah, mais il peut pas jouer un morceau pour les autres. Ça aurait pu être sympa. Discuter avec Alice. Il le fait pas finalement. Voilà, comme ça il y a un de ses rêves qui sont. Raconter une blague. Ah, tiens, raconter une blague, ça il peut le faire aussi après. Qu'est-ce qui s'est passé? Confiant. Fête privée terminée. Ah d'accord, les gars ils se cassent en fait maintenant. Ok, bon, je voulais encore raconter une blague mais c'est pas grave. Maintenant c'est pas grave. Être amical avec Zoé. Frimer en montrant. Ouais bon, après on va pas frimer non plus. En fait là il est en train de jouer pour le mur. Il est. Allez, mur, écoute-moi ce morceau-là. C'est bien. Bon. Du coup, comme la soirée s'est terminée assez tôt, c'est bien. On peut ranger vite fait encore les affaires là. Voilà, genre ça mettre là. Et ça on va nettoyer. Ça aussi on va nettoyer.
Et après avoir nettoyé tout ça, est-ce que ça c'est... Ouais, bon, là c'est bon. On va bientôt se coucher. D'accord. On va se laver les dents, voilà, parce qu'il y a un peu d'hygiène qui manque. Et puis, il peut arrêter de jouer maintenant. Bon, du coup, on se couche quand même assez tôt, pour ça qu'on n'a pas boulot. Bon, on pourrait déjà chercher un boulot pour commencer demain, mais j'ai pas envie de commencer demain en fait. Demain, on va se faire encore tranquille, on va un peu voir la ville et puis profiter qu'on est encore en chômage, plus ou moins. Et puis, mais par contre, demain, on va quand même s'occuper de trouver un boulot et puis après, on verra bien. Voilà, bon, on se lave les dents maintenant, c'est très important. Et puis après, on va dormir, moi je dirais. Ouais, bah, c'est ce qu'il voulait faire aussi, très bien. Donc lui va se coucher tranquillement. Et puis on va voir comment la première nuit va se passer. J'espère que tout va aller bien. Endormi, c'est très bien. Et maintenant, il peut tranquillement dormir. La vitesse. Ah oui, d'accord, on va à fond là. Il est bientôt 2 h du matin, il dort profondément, mais par contre, il va avoir très faim quand il va se réveiller. Mais du coup, il se réveille plutôt tôt aussi. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, on va servir, prendre le petit-déj, on va se faire des œufs brouillés. Allez, pourquoi pas. Mal à l'aise, pourquoi il est mal à l'aise? Ah bah parce qu'il a faim. Bah tiens, c'est normal. Donc il est en train de penser à Zoé, être amical avec Zoé toujours, oui, bah jouer aux jeux vidéo. Ça... Ok. Bon, il va d'abord se faire son repas, après aller aux chiottes, et après... est-ce qu'on peut jouer aux jeux vidéo ici aussi, commander? Ah d'accord, ouais. Discuter, web. Simpedia. Faire des recherches sur technique de drague. Ça va être bien aussi. Ah oui, jouer, voilà. Jouer à Vive les Sims. Jouer à Plick Block. Vive les Sims, pourquoi pas. Allez. Bon, j'aimerais bien, dès qu'on a de l'argent, m'acheter un nouveau frigidaire. Et, bah, en fait, la cuisine, il faut la faire neuf quoi, parce que elle est pas forcément bien. Et puis après, bon, le reste aussi, on a plein de trucs à améliorer parce que c'est vraiment les bases, les trucs de base et tout. Mais tout ça viendra quand on a plus d'argent. Et puis peut-être un jour, on va même se construire une maison pour nous. Parce qu'une maison construite, c'est toujours mieux que bah, déjà, une maison qui est déjà faite et tout. Parce qu'après, on peut le faire selon nos besoins. Mais bon. Tout ça viendra encore au fur et à mesure, enfin j'espère, si on tiendra le coup et on va pas ne pas avoir de l'argent et tout, ça serait con. Mais on verra bien. Donc on peut même aller un peu plus rapidement, parce que lui il est en train de manger, mal à l'aise toujours, pourquoi? Ah parce que la bouffe était arrière-goût désagréable, oui bah. Ok, bon, il sait pas cuisiner, il lui faut une femme qui sait cuisiner. Non bon. Il va apprendre, c'est plus simple, je dirais. Voilà, donc maintenant il va jouer au jeu vidéo. Ah bah il se lave les mains, ça c'est très sympa. Donc, de toute façon, on va lui faire prendre une douche après. Mais d'abord, il va aller jouer au jeu vidéo. C'est quand même un geek après tout. Il va prendre une douche. Est-ce qu'après, discuter avec, envoyer un SMS. On va envoyer un petit SMS avec à Zoé. Voilà. Peut-être ça va compter pour être amical avec, mais je suis pas sûr. On verra bien. Toute façon, d'ailleurs, on va passer un peu plus vite maintenant. Et pourquoi ça nous compte pas comme jeu vidéo, ça? Peut-être c'est une play qu'il lui faut et tout, mais ça, c'est pour l'instant, c'est trop cher. Ça, il l'aura pas avant. Bah avant de travailler quoi. Bon, je pense qu'il a assez joué. Ah bah si ça compte en fait à la fin ça compte. Ok très bien.
Donc, il va prendre sa douche. Après, il va envoyer un SMS, un texto à Zoé. Et puis après ça, on va un peu visiter les alentours. Où est-ce qu'on pourrait aller? Est-ce qu'il n'y a pas un parc ou un truc dans le genre? Attendez. Bon, ça, beaucoup de gens l'ont critiqué que bah maintenant il y a de nouveau les temps de chargement si on sort de la maison et tout. Enfin, du quartier. Voilà. À voir si ça gêne beaucoup, mais pour l'instant, les temps de chargement m'a l'air pas extrêmement long non plus. On va aller au parc, tiens. Partir avec. On pourrait aller avec Zoé. Mais on va y aller seul. On va y aller seul pour un premier temps. Ah, mais on y va tout de suite là maintenant, du coup? On était en train de prendre nos douches par contre. Fait chier ça. D'accord, donc ça c'est bien à savoir. Si on veut aller quelque part, ça nous emmène directement là-bas. Sans qu'on puisse finir quoi que ce soit. D'accord. Bon bah. Est-ce qu'il a pris sa douche ou pas? Non. Ah si, la moitié d'une douche, on va dire. Allez, il est toujours mal à l'aise à cause de cette bouffe. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fait un plat, ok. Mais attends, ah, attends, tu vas où là maintenant? Faire la vaisselle, mais le mec, tu vas pas faire la vaisselle quand t'es au parc. Non, mais le mec, il est bien quoi. Non, d'abord, on voulait envoyer un texto déjà à Zoé, voilà, ça se fait comme ça. Discuter avec quelqu'un, oui, ça on va le faire aussi tout de suite. Genre avec elle, on va gêner pendant qu'elle est en train de jouer aux échecs. Ah non, bon, là ils sont deux en train de jouer aux échecs. On va se faire engueuler dessus encore. Putain, ils sont tous en train de jouer aux échecs là. C'est quoi ce délire? Bon, c'est pas grave, on va quand même. Amusante, voilà. Comment elle s'appelle? Liberty. D'accord, le petit Zoul, c'était pour dire bonjour. Bon, à lui aussi, on peut faire petit bonjour à lui. Comme ça, on connaît un peu du monde. Acheter un ordi, on l'a déjà fait, on va pas s'acheter un deuxième. Il est fou, lui. D'ailleurs, ça, on peut enlever. Être amical avec Zoé, ben, ça, on verra encore. Jouer un instrument. Ouais, bah ça on va le faire après quand on va rentrer à la maison. D'accord, du coup, on peut jouer aux échecs avec plusieurs. Enfin, à deux quoi. Comme ça se fait normalement aussi. Spinay? Holger Beret? Oh, Yabahorn! Baudaba Boondle! Il a l'air pas trop content, le mec là. Enlacer quelqu'un. Ah oui, ok. Ok. On verra bien. Et attends, d'où elle vient celle-là? Non, on va pas courir après. Elle est en train de. Ah bah tiens, elle s'arrête. Ah, quoique, elle s'arrête pas tellement que ça non plus. Elle va pas loin, on verra bien. Bon, on va pas quand même passer toutes nos journées au parc non plus, parce que bon, faut qu'on rentre aussi pour. Quoi? Discussion ennuyante. Ah merde. Et, vous savez quoi, on va se casser d'ici. On rentre les gars, on annule tout ça et on rentre. Allez, dépêche-toi.
s'est passé? Acheter une télévision. On a déjà une télé. Le mec, il se fait pas chier, quoi. Avant d'aller au boulot, ou commencer son boulot, le mec, il veut d'abord s'acheter une télé. Le mieux, ça serait encore un grand écran et tout. Cinéma 4D et tout. La classe, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on va d'abord. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a donc. Chercher un boulot déjà. Ça, c'est un truc très, très important déjà. Pour l'instant, la boîte aux lettres, elle est vide encore. Il est toujours blessé, mais ça va rester pour combien de temps? Encore 8 minutes. On va aller sur le web. On va parcourir ces médias, pourquoi pas. Voilà. 0 minutes. Normalement, il devrait se calmer un peu. Et normalement, il doit même aller mieux. Écrire. Il pourrait aussi écrire des livres en fait. Mais j'ai quand même trouvé un emploi, ça c'est important aussi. Concentré. Ah oui, d'accord, il est concentré là. D'accord, les boulots. Sélectionnez une carrière pour Julien. Auteur, soyez payé pour exprimer vos idées avec les belles tournures de phrases et des mots. Journaliste, ok. Agent secret, bon ça c'est pas trop pour lui. Peindre, bon ça serait aussi un boulot créatif. Artiste. Vous recevez de voir votre nom en haut de. Musicien et humoriste. Criminel. Astronaute. Cuisinier. Et gourou de technologie. Bon, ça serait pour le geek, quoi. Branche professionnelle. E-sportif, professionnel et entrepreneur de start-up. Vous savez quoi? On va commencer par ça. Le dimanche, lundi, on travaille pas. Par contre, on travaille le samedi, quoi. C'est de 10h à 18h tous les jours. Bon, 10h, c'est bien. 18h, c'est assez tard quand même. Bon, allez, on va le faire et puis après, on verra bien qu'est-ce que ça va donner par la suite. Mais ça m'a l'air d'être une bonne carrière pour Julien. Allez, c'est parti. Allez, on s'est lancé dans la carrière de gourou technologique. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait jouer un peu, mettre dans l'inventaire. Non, on va s'entraîner un peu. Comme ça, il va être content aussi. Et puis, en plus, il est concentré, donc ça va être mieux encore. Et puis. Le mec, il joue contre le mur à chaque fois. C'est son kiff, on dirait. Ok. Ah d'accord, s'entraîner au programmeur pendant 10 heures au total. Ok. Est-ce qu'on peut le faire là, je pense Commander, écrire, foyer, carrière, jouer, web. Ah, s'entraîner à programmer, voilà. Je l'ai pas vu. Il peut arrêter de s'entraîner sur la guitare. On va s'entraîner un peu pour son boulot. Par contre, il doit faire ça pendant 10 heures en tout, donc là on se fait l'après-midi déjà ça. Pas trop non plus. D'accord, on a eu les compétences. Et puis après ça, on va se faire quelque chose à manger.
Non mais en fait on sait pas cuisiner et tout, donc ça va être chiant en fait. Non, 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 non. Non, on va faire un truc. On va commander quelque chose là. Non, on va. Non, c'est mieux si on s'entraîne en fait. On va pas se faire chier non plus. Manger un repas rapide. Cuisinier, oui, bah il va cuisiner quelque chose. Il va se faire. Ouais, bah, un truc simple comme ça avec. Normal, voilà. Comme ça, c'est très bien. Bon, je dirais qu'on a bientôt fini de faire ça parce que sinon la journée est bientôt déjà finie. Mais par contre, attendez, attendez, attendez. Ouais, bah non, c'est trop bien. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Après ça, on va. Bon, il pourrait un peu regarder la télé, mais il pourrait aussi appeler Zoé. On va appeler Zoé. Discuter avec, oui. On va discuter avec Zoé. On va voir comment il cuisine. Non, mais le con! Il met carrément à côté quoi. Tu m'étonnes que ça va être pas bon. Ah, on a amélioré notre compétence. Ah bah, carrément il l'appelle avant de manger. On va manger après. Ah d'accord, il raccroche aussi. D'accord, ok. C'était un petit appel comme ça, l'après-midi, tranquille. Mais bon. Après ça, on va aller aux toilettes. Et du coup, demain, on travaille, c'est ça? Ouais, c'est pas là où on le voit. Ah, carrière, voilà. C'est ici qu'on le voit. Regarder un peu la télé, c'est très bien. Mais attendez. Aujourd'hui c'était lundi, ouais, bah du coup on travaille demain à 10 h on commence. Bon, on peut se permettre de se coucher quand même plutôt tard parce que 10 h commencer le boulot c'est plutôt tranquille. Il aimerait bien améliorer sa compétence en guitare. Mais sinon, attendez, on va la mettre. En fait, il va toujours jouer contre le mur, mais autant de rester sur ce mur-là. Non, mais il s'est déjà assez entraîné aujourd'hui, donc il va passer plutôt encore sa soirée à s'entraîner pour le programmeur, là, pour son boulot. Puis après, on va prendre notre douche encore, et après, on va se coucher. Comme ça, on est en forme pour demain matin, pour aller au boulot. Et puis. Oui, ben, voilà. C'est pas encore l'heure de se coucher, donc on peut encore rester un peu sur l'ordi. Ça va lui faire du bien. Allez, on attend jusqu'à se rempli ici. Après, il va prendre sa douche. Voilà. Et puis, après on peut se coucher quoi, parce que ça sert à rien de rester debout, même s'il est encore tôt, mais bon, on verra jusqu'à ce qu'il va se coucher. D'accord, bon. Et pour son boulot. Ah, mais en fait, c'est pas pour. C'est pas ça? Jeu vidéo pendant 4 heures. Ah, mais d'accord, c'est au jeu vidéo qu'il faut jouer. D'accord, pour le boulot en fait, c'était pas ça. Bon, c'est pas grave.
Du coup, on va jouer encore au jeu vidéo un peu. Puis on va arrêter de faire ça. Acheter un bar. Ok, carrément, il va acheter un bar maintenant. Il est inspiré. Très bien. Mais qui chante sous la douche. C'est énorme. C'est énorme, le mec il se fait pas chier. Oh, taillapo! Bon, il prend sa douche pendant une demi-heure, le mec. Bon, on va jouer un peu aux jeux vidéo. Comme il le faut bien pour un geek. On va pas se cacher. Voilà, et maintenant, par contre, il est 23h, donc maintenant il faut vraiment qu'on va se coucher et on va dormir. Voilà, qu'est-ce qui lui va pas? Ouais, bah, il est fatigué, tout simplement, c'est normal, il est 23h. Allez. En plus, il est pas en vacances, merde. Par contre, le temps, il peut passer vite. Voilà. Comme ça, on est bon. Et donc, quand on se réveille, on va directement se faire quelque chose à manger. Ah mais par contre, attendez, on va pas cuisiner du coup, on va plutôt manger un repas rapide, des céréales, voilà, le matin on mange un petit céréale, voilà. On a bien dormi, il est 7h30. Donc il va se faire les céréales, après il va aller aux toilettes. Puis après il est déjà bon quoi. Il peut encore... Même pas besoin de se toucher, même si son premier jour de boulot et tout, il se douche pas. Il n'en a pas besoin, donc on se lave juste les dents. Et après, on va même faire un petit appel encore à Zoé. Ou à quelqu'un d'autre en fait. Juste pour le social. Ouais, on va pas spammer Zoé non plus, parce que sinon ça va pas le faire. Allez, on va appeler notre pote Alexandre. Allez. Enfin, si on a encore le temps avant le boulot, c'est pas sûr parce que là il est 8h déjà. Il est mal à l'aise. Ouais, bah, ça va être bon là. Il est heureux. Très correct. Ah, bah cette fois-ci, la nourriture était très correcte. Ça veut dire qu'il s'est déjà entraîné. En tout cas, amélioré. C'est très bien. En train de se brosser les dents et on va confiant. Ok, bah ça c'est très bien d'être confiant avant le premier jour du boulot. D'accord, on commence notre boulot dans 1 heure. Mais comment on y va en fait? Alors on va faire pause vite fait parce que là je sais pas comment y aller. Est-ce que c'est comme dans les Sims 3 ou où il y a quelqu'un qui va nous chercher. Ou pas du tout. On verra bien. Allez. C'était quoi ça? Déplacement. Non, mais je vais pas me déplacer comme ça en fait. Je veux juste aller au boulot. Mais je pense pas qu'on peut le faire comme ça. Non, non, on voit rien du tout. Bah, du coup, on va rester calme pour l'instant. On va jouer encore au jeu vidéo un peu. Mais je sais pas comment aller au boulot en fait. Donc là, on est un peu dans la merde. Ah, on peut racoler. Ah non, c'est juste ça. D'accord, il y a une plante là. Récolter les produits, c'est très bien, mais par contre, du coup, ça me fait un peu peur pour le boulot. Comment on y va? Attendez, est-ce que s'il fait rien?
Ah, si, il y va tout seul. Ok, allez au travail. Bon, il sera un peu en retard le premier jour. Très bien. Le mec, il est premier jour directement en retard. Mais c'est pas aussi grave que ça non plus. Satisfaction de la clientèle. Une cliente en colère contacte Julien pour demander un remboursement de son nouveau smartphone. Il peut rembourser la cliente et. Oui, bah, on va accorder un remboursement, calmer la cliente. On va calmer la cliente plutôt, on va pas directement rembourser. Ça va être mieux, je pense. Donc, nous, on finit à 18h. Il est 13h pour l'instant. Ok, bon. Pourquoi le temps il passe pas plus vite que ça? Réussite. Très bien. Introverti, ne rien faire, ça. Ne rien faire de spécial avec un sim pendant 24 heures de sim consécutif. Non, mais attends, j'ai quand même, je suis allé au boulot et tout, c'est bon. Ça suffit déjà. Et puis, les gens, vous voyez l'heure. Enfin, pas dans les Sims, mais vous voyez qu'il est. On a bientôt. Enfin, on a déjà dépassé les 31 minutes là. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, on va continuer demain, après la première journée de boulot de Julien. On verra bien comment il va. Bon, pour l'instant, il a écrit inspiré. On verra bien si à son retour, il va toujours aussi bien. Donc, moi, je vous dis à la prochaine, les gens. Et ben, je pense que dans les prochains jours, il y aura la suite des Sims 4. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez me laisser les conseils que vous voulez dans les commentaires. Et puis, bien évidemment, il y aura aussi la suite du Let's Play sur The Last of Us. Donc, salut, les gens, et à très très bientôt.